lolenge moko ayaki mpo abuka mbuma ya malamu na nzeta pele Israel. Et la même manière, il était venu chercher le fruit, le bon fruit dans l'arbre appelé Israël. Yango tozo comprendre na kat église. C'est pourquoi nous comprenons aussi dans l'église. Kobanda tango ya ba Pierre. Depuis le temps des apôtres. Ti tango na biso. Jusqu'à notre temps ici. Tango kolo akoya. Lorsque le Seigneur reviendra. Ekozala na kat ya quatrième saut. Ce sera toujours dans le quatrième saut d'Apocalypse. Lolenge moko par rapport à ma nation ayaki na quatrième nation. De la même manière par rapport au règne des nations, il était venu pendant le temps du quatrième nation. Boaya obukambo mananzeta peri Israël. Pour venir cueillir les fruits dans des arbres appelés Israël. Lolenge moko et bana biso arbre appelé l'Église. De la même manière chez nous l'arbre appelé l'Église. Azoya na l'air oyeza quatrième saut. Le Seigneur viendra du temps du quatrième saut. Lolenge moko tango ya de la même manière lorsqu'il était venu cueillir c'était appelé Israël chez l'arbre appelé Israël au même moment tout le monde le a confié à ses cuits. Au même moment nous avons vu il est mort et ressuscité, il a pris les saints et il est enlevé avec eux et il a laissé encore la terre entre les mains du quatrième insecte entre les mains de la quatrième bête donc il y a Rome entre les mains de Romain parce qu'après le départ à Jésus. Parce qu'après le départ du Christ, Jésus, a mis ça avant Jésus leur avait dit avant de partir, Israël, comme on méprisait la visitation, comme tu n'as pas connu le temps de ta visitation, il viendra des temps où tes ennemis viendront t'attaquer. Or, ceux qui vont rejeter Christ, si on rejette le Christ, les commandements, que fait le Seigneur? À côté de la bête des champs. Le Seigneur va envoyer le bête des champs. À côté de la sauterelle. Le Seigneur enverra des sauterelles. Nous nous attendons bien. Jésus a prophétisé que Israël a côté de la terre bien s'y prête. Et vous allez renverser. Jésus avait prophétisé que l'hypothèse allait le côté de la terre le plus sous. Alors, il y a un Luc 19. Il avait dit dans Luc 19. Jésus a parti verset 41 à son côté la porte de Jérusalem. Le prend à partir du verset 41 lorsqu'il entrait par les portes de Jérusalem. Dis un verset jour où tes ennemis t'environneront des tranchées. Et koyaka na mikolo bakuna na yo bako zinga kayo kotia ma manda kona bango ba ema na bango. T'enfermeront. Bako kanga yo. Et te serreront de toutes parts. Be bako linga yo bisika nyonso. Ils te détruiront. Parole cette parole que Jésus a dit contre Israël, contre le peuple d'Israël. C'est ce que nous avions lu dans Deutéronome. Ceux qui va désobéir la parole. Si Israël désobéit à la parole, Zamba kotinda bête des champs. Le Seigneur enverra des animaux de champs. Zamba kotinda insectes. Le Seigneur enverra des sauterelles. Et c'est ce que Jésus leur a répété ici. Bonne année. Pourquoi? Jésus c'est lui la parole. C'est Jésus-Christ qui est la parole. Bango ba rejeté Jésus la parole. Eux ont rejeté Jésus la parole. Et au Kanenenge de Dron 28 à l'obagi. Cela est semblable à la parole. Ceux qui ont rejeté commandement. Si tu rejettes le commandement. Na kotinda bête des champs pour y avoir dévoré. J'enverrai des bêtes des champs contre toi. Na kotinda sauterelle. Et j'enverrai des sauterelles contre toi. Yango moni eloko Jésus à l'obagi. C'est pourquoi la parole que Jésus avait dite. Dans Luc 19. Dans Luc 19. Jean Lobi, elle est venue chez les saints et les saints ne l'ont point reçu. Yohana Lobi, il y a qui est pas bandé konaye, pe bandé konaye bayambié. Là, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui était venue. Donc, on a rejeté la parole. Comme Israël a rejeté la parole. Deutéronome 28, verset 38 et Kokokisam. Deutéronome 28 et 38 s'accomplira sur le peuple. Lévitique 26, verset 22 et Kokokisam. Et aussi Lévitique 26, le verset 22. Les bêtes des champs vont dévorer. Les bêtes des champs viendront dévorer le peuple. Yango, après la mort de Jésus, tant que Jésus, ça c'est quoi qui? C'est pourquoi après la mort de Jésus et même sa résurrection. En l'an 70. En l'an 70, bien-aimé. Soko tangi. Bah, Anna, là, bah, roi romain. Si tu vérifies l'histoire ou les chroniques du roi romain, Titus, l'empereur Titus, ayaki pour envahir Israël, était venu détruire Israël. C'est lui Gazam. Yende Gazam, nyamane souka yamouke yamine. Gozola na malam. Amen. Ah, donc, Bangonde, bah, Romo anande yamonde, bête des champs ou yamataké.
Donc c'était Israël. Le Romain qui était la bête des champs qui était venu détruire Israël. Mais Joël annonçait. Mais Joël avait annoncé, contre l'arbre Kossila. Lorsque les attaques contre l'arbre prendront fin, je remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, les gelèques, les gazam et les asiles et les gazam. Et je répandrai de mon esprit sur tout chair. Bon à Israël. Pour Israël. Et Coco qui s'en après Armageddon. Cela s'accomplira après la bataille d'Armageddon. Mais bon à l'Église. Mais pour l'Église du Seigneur. Et qui s'en dans acte 2. Cette prophétie s'était accomplie dans acte chapitre 2. Parce qu'après remplacement. Il y a Bané ou Isala qui dévorait. Parce qu'après les remplacements des années dévorées, Ndé va répandre le Saint-Esprit. Alors on viendra répandre le Saint-Esprit sur le peuple. Maintenant pour l'Église. Maintenant pour l'Église. Tozotalisa, nous dévorer les années Lolingé, Adam Tombaki. Nous montrons que l'arbre était dévoré par la chute d'Adam. Parce que Bissonyon Sotosa Kona Nakat. Parce que nous tous nous sommes comptés là dans par remplacer les bisonions et munga qui par l'œuvre de la croix. Mais on nous a remplacé toutes les années perdues par l'œuvre de la croix de Christ. Parce que Joël D. le dit. Parce que Joël D. dit ceci. Après avoir remplacé. Alors je répandrai mon esprit. Et l'autre vous a déjà le Saint-Esprit. Aujourd'hui nous avons déjà le Saint-Esprit. Cela veut dire remplacement d'Angoué Salemaki avant que Saint-Esprit ait quitté. Cela veut dire que notre remplacement était déjà. Les remplacements des années que nous avions perdues était déjà accompli avant la descente du Saint-Esprit. Là, c'est pour nous les chrétiens. C'est pourquoi nous avions pris les signes. Lorsque les disciples étaient dans la maison, lorsque Jésus fut ressuscité, il est venu le voir. Thomas était absent. Thomas Azala quittait. Jésus a le mis, recevait le Saint-Esprit. Et cela représentait le temps de nous, l'Église. Notre temps. Thomas était absent. Mais Thomas t'a envoyé. Lorsque Thomas est venu, que Christ est ressuscité. On lui a dit le Seigneur est ressuscité. Andimate. Il n'avait pas cru. Parce que son intelligence n'était pas ouverte. Notre intelligence est ouverte. Aujourd'hui, notre intelligence est ouverte. Thomas est là. Et Thomas d'aujourd'hui n'était pas là. C'est Israël. Nous nous faisons bien entendre. Mais Christ a dit qu'on s'en Thomas. Mais Christ était encore revenu pour Thomas lui-même, le Christ. C'est pourquoi nous disons que le Seigneur n'abandonnera jamais son peuple d'Israël. Aujourd'hui, Israël n'a pas reçu la parole pour ton salut et le mien. Parce que si Israël avait reçu la parole, toi et moi n'allions pas la recevoir. Faisons bien entendre. Maintenant, l'esprit se répandre sur Israël. Et ça par rapport à Zacharie 12, verset 10. C'est par rapport à Zacharie, chapitre 12, le verset 10. Après Armageddon. Nassima Bitumba, il y a Armageddon. Mais nous, en notre temps, nous avons le Saint-Esprit. Maintenant, dans le quatrième saut, le départ est allé à l'église. Donc, l'église a aussi sa quatrième saut. L'église ne va pas finir le quatrième saut. De la même manière, le quatrième étape, le Seigneur a yaki na Israël. Le Seigneur était venu en Israël. Dans l'ère est allé quatrième insecte. Du temps du règne du quatrième insecte. Rome. Du règne de l'Empire. Il est venu accomplir son œuvre. Il nous a amené nous tous au ciel. Mais sur la terre, Rome est restée dominée. Quatrième étape. Le quatrième étape. Et la quatrième saut. De la même manière, le quatrième saut. C'est le rassemblement de tous les trois précédents chevaux. Et dans le quatrième saut, il y a notre enlèvement là-dedans. Parce que l'être vivant, l'aigle qui vole. Parce que l'être vivant qui est là, l'aigle qui vole, tout le monde qui est en Égypte.
bongo kopumbwa tomona ke nezipito. Exode 19. Dans Exode 19. ABC Israël. Il a dit à Israël. Bomoni lolinge na yaki kozwa bino pe na transporter bino na mapapu ya bongo. Vous avez vu comment est-ce que je vous ai porté par les ailes d'aigle? Donc Akoya peut vous transporter biso na quatrième saut. Donc il viendra aussi nous prendre au quatrième saut comme l'aigle. Mais biso to aussi sa quatrième saut. Mais nous n'allons pas épuiser tous les événements du quatrième saut. Le départ est là dans le quatrième saut. Mais quatrième saut va continuer dans la quatrième étape et continuer devant Israël. Mais le quatrième saut va continuer comme le quatrième étape aussi avait continué pour Israël. Et dans la semaine, tu as dit continuer. Tu as dit que classé le quatrième saut. Ça, j'ai seulement classé le quatrième saut. Et ça, il y a deux étapes dans cette écriture. Il y a deux étapes dans ces écritures. Et vous allez entendre que l'église a causé la société. Il y aura un temps où l'église ne sera plus sur la terre. Pour fixer encore bien, bien. Nous l'avons bien fixé. Ok. Partie où les autres seulement après notre enlèvement. Et cette partie dans les quatrièmes choses s'accomplira après l'enlèvement. Que Dieu bénisse. Amen. Le Lengébé, Israël. De la même manière, Israël. Jésus leur avait dit. On viendra les environner de détruire. On viendra les détruire. Parce que Boye va quitter en visitation. Oui, te Boye va quitter tant qu'on zambaye kota la bino. Donc. Tant que maintenant Jésus ici musala naie. Lorsque Jésus a fini son œuvre. Bah le bitango nettoie. On dit lorsqu'il fut enlevé. Amen. Qui basant toi kena bango. Il avait pris les seins, il les a amenés. Mais quatrième étape pour les quatrième insecte. Mais sur la terre le quatrième. Jésus a promis que il voya qu'on détruire Israël. Jésus avait promis que cet insecte viendra détruire Israël. Donc on y en a l'an 70 et il va détruire Israël. Et nous avions vu en l'an 70 les Romains détruire Israël. Et il va créer famine, destruction à terre à Israël. Donc le quatrième animal est venu créer la famine, la destruction en Israël. Et Dieu bénisse. Le quatrième saut. De la même manière au quatrième saut. Donc comment on a départ na biso. On veut notre départ dans le. Mais l'ennemi n'a pas bon à attaquer. Église après quoi attaquer Batubako Tigala. Et l'ennemi de son côté attaquera Israël et ceux de l'église qui vont rester. Voilà, c'est après notre départ. Là, après notre enlèvement. Mais il faut y aller bien. Mais tu dois bien savoir que aucun élu a pas se perdre. Mon bonami, mon côté a coupé lui sa manca. Bazota les salolengi ba combat et cosana sur la terre. On montre comment les combats seront sur la terre. Mais l'Église a coupé ça, mon sala n'aya commis la perfection. Mais l'Église achèvera son œuvre et atteindra la perfection. Nettoie-moi. Et sera enlevé. Menacima, l'antichrist a appelé la mort. Mais après elle, l'antichrist qui est appelé la mort. Donc comment on a yango par la grâce de Dieu? Nous allons le voir par la grâce du Seigneur. Et Azaga na va séjour des morts les ont accompagnés. Pemo kiliabawa kolandae na sima na musala. Nyosona to komona yango. Tout cela nous le verrons. La mort, le séjour des morts. Liwa pemo kiliabawa. C'est l'antichrist qui est la mort. Et ça lit. Montez le Christ en délire. Mazana ba séjour des morts et soutena gaé. Kasia salina ba mokili aliu ba wa ezo landaye. Séjour des morts, ba bengi séjour. Donc bao ba fanda akuna bazaka ba wey. Donc les habitants de ces lieux là sont des morts, des cadavres. Ce sont des fausses doctrines. Ne ba matea ya mabenyoso. Les gens qui demeurent dans ces enseignements, donc ce sont des morts, des cadavres. Mais où est-ce que l'iniquité est à sommet? Mais ce qui est au comble où l'iniquité. C'est la femme prostituée de la boîte d'Issé. Et ça lit moi si Ndumba, Apocalypse 17. La mort. Liwa. Zola Namala. Amen. Et bah, c'est jour des morts, Bazako, Tambolané ensemble. Mais le séjour des morts aussi l'accompagne dans son œuvre. La mort azote le l'enseignement nios. La mort s'oppose à l'enseignement. C'est l'Église catholique romaine. Ezali Ecclesia ya ba catholico ya Roma. C'est vraiment la doctrine du diable. L'idée Satana. Azolo papo le temps isa soutena mabele. Je parle ainsi parce que le temps n'est plus. Je dois parler. Maintenant ko lobango wa bina chambre. Où est-ce que je vais le dire? Dans ma chambre. Et sa parole. C'est la parole. La femme prostituée. Moi si
Ndumba. Babylon la grande. Babylone ya monene. Olimo santo nde diabo. C'est le Saint-Esprit. Maintenant, moi je ne dois pas le dire. Naza maintenant na ngamboni. Je suis de quel côté? Zamba kotuna ngosa na ngamboni. Le Seigneur va me poser la question. Ngana tie puelo ba. Parce que moi je l'ai mis là-bas pour que soit. Dit. Mais toi tu y as dit non. Na yo kanana batuana mala. Que je puisse bien m'attendre avec ces gens-là. Il faut côté ya boyé pour on doit prêcher ainsi. Pour que ceux de Dieu qui sont là-bas puissent y sortir. Zanatina. Cela est très important. La parole est faite à l'annoncer. L'Obesegeli et l'Obama. Ma doctrine est à ma paix. Les doctrines qui sont fausses. Les zoologies encore, maman. Ce sont les séjours des morts. Bisika ba wei ba fanda kabibembe. Vous allez voir les gens avec la doctrine de la célébration de Noël. Noël, c'est la mort. Noël, liwa. Alors les séjours de mort les accompagnent. Donc, toutes les doctrines les ont accompagnées. Séjours de mort. Amen. Beaucoup dans l'église Noël. Vous allez croiser des églises qui célèbrent Noël. Noël. Yewana kuna église amone na tie ke konae. Et là-bas la grande Babylone aussi met sa statuette. Tie ke konae à Joseph. Sa statuette de Joseph. Tie ke konae à Marie. Sa statuette de Sainte Marie. Tie ke gosuki à Mosantoni. Et de Saint Thomas. Bah c'est jour de mort au Bisika ba. A tie ke konae pasteur bishop nae. Ah dans les séjours de mort aussi. Les... Pasteur Bishop, sa faute, la faute. L'homme de Dieu. Révira même s'il dit que nous prenions la bouillie, nous allons la prendre. C'est jour de mort. Ici, Kaba, wa, bibembe. Ils accompagnent que la mort. Bazo sundaliwa na musala na ye. Vous ne voyez pas une statue. Mais l'homme qui est devant eux. Ekeko, la statue. Lolenge bawana kuna bazo adore chapelé. Comme elle là-bas adore avec les chapelés. Bango pe bazana chapelé na bango kuli. Et aussi on leur chapelé invisible. Mutu na bango, un homme. Matea na bango ya mabé avec leur faux enseignement. Mais bazo kangamana ya. Mais ici attache tout ce genre de monde. Ils accompagnent que la mort. Bazo sungaliwa na musala na ye. Bible le bien. La Bible dit nous voulons, nous avons voulu guérir Babylone. Ils sont au Luka qui copie qui sa Babylone. Babylone n'a pas guéri. Mais Babylone a piqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ça là. Abandonnons-la. Tout petit cahier tout kende. Baobazana ba doctrine ya mabe fogo bima. Ceux qui sont dans des fausses doctrines doivent y sortir. Sortez de là. Doctrine moi c'est azoté. L'idée à la doctrine. Et nous on permet que la femme prêche. C'est jour de mort. Et la prédicatrice qui est devant les gens. C'est jour de mort. C'est jour de mort. Mokilia bawa bibembe. Les chantres des femmes qui chantent tête non voilée. C'est jour de mort. Mokili bawa. Même si elle chante en français, chilo. C'est jour de mort. Mokilia bawa. Parce qu'elle s'oppose à l'enseignement. Paul avait dit ce que tu as vu en moi. Oh yo panala. Ce que tu entends. Oh yo yo qui pratiquez. Salé la yango. Yoka promesse. Maintenant écoute la promesse. Si vous pratiquez l'enseignement à Paul. Si tu pratiques l'enseignement de Paul, c'est Philippiens 4, verset 9. Hein? Philippiens 4, le verset 9. Les dieux de paix sera avec toi. Sambe ya kimia akosala kanayo. Oyo non sa télé melakamate ya Paul. Tous ceux qui s'opposent à l'enseignement de l'apôtre Paul. Diazana été. Il n'a pas les dieux de paix avec lui. C'est ça l'écriture. Et ça le commis. Oya télé melakamate ya apôtre. C'est lui qui s'oppose à l'enseignement des apôtres. Il n'a pas les dieux de paix avec lui. Il y avait un prédicateur. Il prêchait en disant si Jésus me dit qu'une femme ne peut pas prêcher et que moi j'élève des femmes de prêcher. Alors, jour où ce jour-là maintenant du jugement, le jour du jugement, les jours du jugement lorsqu'il fait tout là, il m'interroge. Ah, ce ministre-là, c'est Coutinho. Et Dieu me demande est-ce que
Yo, j'avais dit que la femme ne peut pas prêcher. Alors il va répondre au Seigneur. Aimez-moi toutes les âmes que les femmes ont gagnées. Tu blagues. Il pense vraiment que les choses de Dieu sont des divertissements, des blagues. Et actions, ce sont des actions païennes. Et toutes les, leurs actions sont des actions des gens du monde. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Bazaba séjour des morts. Parce qu'ils s'opposent à l'enseignement de Christ Jésus. Si seulement tu t'opposes à l'enseignement de Christ. La parole est le bagui. La parole avait dit. Jésus l'a mis dans Jean 17. Jésus avait dit dans Jean 17. Père. Je ne prie pas seulement pour eux, mes disciples. Mais je prie aussi pour ceux qui croiront en moi. Au moyen des paroles de mes disciples, par leurs paroles. Donc, intercession à Jésus. C'est-à-dire la prière de Christ. C'est seulement pour ceux-là qui ont cru au Christ par la parole des apôtres. Votre bataille, la femme ne peut pas prêcher. Les apôtres ont prêché que moi, si à côté à terre. Moi, si pour ça, mais la femme se voiler la tête. Que la femme doit se voiler la tête avant le Christ. Si à porter. Que la femme ne peut pas séparer des bijoux. Tel verset. Et ça lui commis. Verset où on est avant Yomota. Ce verset-là était avant Santa naissance. Et il combattit sa yote. Ce verset-là n'est pas venu combattre ta vie. Yonde oye na makambaza. C'est toi qui es venu dans les choses de Dieu. Yahweh zaki utakala. Ce verset-là existait déjà. Yomota mina ba 19 ça. Toi tu es né à 19 ça c'est. Bible Isaïe kala. Cette Bible ici est. Et le bagui déjà moi c'est voilà ta bijou. Elle avait déjà dit que les femmes ne séparent pas. Avant que toi tu ne viennes. Ce verset n'est pas vrai. C'est la manière dont Dieu avait prêché depuis les temps anciens. Le Seigneur avait prêché comme ça. C'est nous qui sommes venus. Tout s'est confirmé dans ma terre. Et tellement que déjà la femme ne peut pas prêcher. Cela était déjà prêché que moi, c'est à vous qui toute doctrine est votée, mais la doctrine des apôtres. Toute doctrine qui s'opposera à celle des apôtres. Et ça dit diable. Et ça, Zabolo. Séjour des morts. Mokiliabawa. Il nettoie Zakunate. Dans ces églises-là, il n'y aura pas d'enlèvement. Il nettoie Zakunate. Il n'y a pas d'enlèvement dans ces églises-là. On ne joue pas avec Dieu. Et si quand on a enseignement des apôtres est respecté, là où l'enseignement des apôtres n'est pas respecté, au côté de l'église, basana vice pasteur. Tu as vu dans cette église, on a l'assistant du pasteur. Ah, maintenant basana programme que bon connu c'est Zakaya pasteur. Maintenant ils ont fait. Par ministre, monsieur Zakaya Bangote. Toutes les offrandes c'est pour les pasteurs titulaires, pas pour d'autres ministres. Et la doctrine à diable. C'est la doctrine de Satan. Et Paul avait prêché que celui qui a semé et celui qui arrose sont égaux. Et ça, Paul, et ça, Apollos. Que ce soit Paul ou Apollos. Ils sont égaux. C'est l'enseignement. Et ça, l'idée. Au moment où Paul t'a entendu parole. Mais lorsque Paul avait prêché la parole, il avait dit qu'il pourrait se faire que d'autres personnes s'opposent à cette parole. Malobi, église du Seigneur de télémer la parole. Il avait dit que l'église du Seigneur n'a pas cette habitude-là de s'opposer à la parole. L'église du Seigneur de télémer la parole. Pas l'église du Seigneur. Et considéra la parole. Église soit qu'à l'île. Je dis ces choses. La mort et le séjour des morts. Parce que nous sommes arrivés dans l'écriture, on nous parle de la mort. Liwa, au quatrième saut. Donc la mort donc la mort est devant sur le cheval comme cavalier. Donc la mort vraiment. Donc, vraiment la mort. Sur le cheval. La mort. Comme cavalier. Après le ciment, séjour des morts, soutenir. Après le séjour des morts comme ses soutiens. Maintenant, il faut vous expliquer. Hein. Il faut savoir expliquer. C'est la quoi? Mort, c'est Babylone la grande. L'Iwande Babylone est mon aîné. L'église catholique romaine. L'église, il y a ma moupe dans l'homme. La science, c'est la terre. Et toutes les sciences de la terre sont dans cette église-là.
Ozoa franc-maçon, Maïkari. La franc-maçon, les Illuminati, Maïkari. Toutes les sciences soient. Et en quatre. Ba solo kawana nyoso na kati ecclesia. Atoba distraire bien entendu. Que les gens ne vous distraient pas. C'est ça la mort. Ne liwa yewana. Et que c'est na liwa ndenge noko akufi. Cela est différent de la mort de ton oncle. De Monsanto akufi. Ou de la mort d'un saint. Nous de la mort liwa Monsanto te. On ne parle pas de la mort d'un saint. Monsanto akufi za ake ko pema. La mort d'un saint c'est un repos en attendant l'enlèvement. Mais la mort roeza neti. Mais c'est toute une personne, un cavalier. Donc son nom, la mort. Donc s'il ouvre la bouche, toutes ses paroles, la mort. Et ça, toute une doctrine. Et il faut faire très attention. Et Sengelio Keba Makasi. Il faut pas discerner ma bilo gonyoso. Isengelo yeba yango na mosido. Les séjours de mort et soutenaka ka yelo bolorenge moko. Les séjours de mort soutiennent la même chose que soutiennent la mort. Bolenge hiérarchie ça na la mort. Ndenge mokoti na bango na direction générale. La direction générale. Na Vatican. Le Vatican. On en est tinda ka basija koteya. C'est là-bas où on envoie des sujets de prédication. Misa ya 27e à 27e semaine année. Et vous allez à Colossiens 3, verset 12. Bakabiamo partout. Yo Saint-Esprit. Et toi vraiment le Saint-Esprit. Toi le Pape Saint-Esprit. Pour autant, toi en Congo, vous en avez besoin à Colossiens 3, 12. Pour nous dire qu'au Congo, on aura besoin de Colossiens 3. Maintenant, en Mexique encore, Colossiens 3, 12. Colossiens 3, 12. Ce sont des choses où. Apparemment, au moins, ce sont des choses qui paraissent comme si c'est de Dieu, mais c'est loin d'être. Dieu l'a dit, soutane bien. Il porte la robe. Lance en soi. Abola qui sont en verset. Il peut te montrer un verset dans l'ombre. Mais ça y a temps. Mais ce n'est pas la pratique de ces temps. C'est comme ça les diables travaillent. Les abongonde Satan salaka musala. Nazu exemple. Je prends un exemple. Nzambe ndalo baki, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est le Seigneur qui avait dit que Zali malamote mon pali azala. Je lui fais